Bah, tu viens. Quelle bête. Ouais, voilà. Du coup, il y a la voyage. Hé, les gars, il y a Clairvy qui est deux. Alice! Il faut attaquer ce château. Alice! Sinon, il faudra... Quoi? T'as mal au cou? Vous avez tous les deux mal au cou. Il y a Clairvy. En double. Oh. Je vous présente ma petite sœur. Bonjour. Mais vous êtes jumelles? Ah bah oui, on est deux, il n'y en a pas d'autres. Mais pourquoi t'as dit ma petite sœur si vous êtes jumelles? Parce que je suis née avant elle, donc je suis sa grande sœur. N'importe quoi. Et comment ça fonctionne les jumelles? Bah tu les mets comme ça et tu vois loin quoi. Non mais des jumelles, vous? C'est vrai que c'est très intéressant comme phénomène. Un phénomène? On n'est pas des phénomènes. Enfin si, moi un peu quand même. Est-ce que c'est vrai par exemple que si je la pince... Aïe! T'as mal quand même? Bah je sais pas, commence pour voir. Aïe! Bah j'ai rien senti. Mais pourquoi tu l'as amenée? Je voulais qu'il y avait un petit peu l'univers dans lequel j'évolue. En clair, elle m'a forcé à venir. Et elle s'appelle comment, la sœur jumelle? Louis, ça se dit pas. Si, si, je peux répondre. Elle s'appelle Iroise. Mais par contre, elle peut parler, Iroise. Bah oui, mais... Mais c'est plus rapide quand c'est moi qui parle. C'est très gênant ce que tu fais, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Mais vous avez le même gabarit de visage. C'est un peu le principe des jumelles, Alice. Ils se ressemblent. C'est un miracle de la nature. Bah non, c'est deux sœurs. Elle fait quoi, ma sœur, ici? On avait dit pas de questions. Ah bah c'est un peu la star de l'atelier, quoi. Ah bon? On dit que c'est la future star, quoi. Hein? Ah oui, 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 tout le monde le dit. C'est quoi ces bêtises? Bah tout le monde le dit, Alice. Bah je croyais que la future star, c'était moi. Non. Alice, il y a ma sœur, on va pas commencer à dire n'importe quoi. Ah, c'est elle qui joue comme une patate? C'est toi qui as dit ça à ta sœur? Non, non, elle a vu les sketchs. Et qu'est-ce qu'elle a dit sur nous? C'est lequel, le crétin? Tu m'avais dit que c'était lequel? J'espère qu'elle a pas dit moi, sinon ça va saigner. Mais t'es malade de parler de nous comme ça? Ah oui, le crétin, c'est Louis. Elle t'a dit que le crétin c'était Louis? Non, elle m'a dit que c'était le moins crétin des quatre. J'ai bien compris là? Oui, je crois. Bon, si t'es venu là pour faire le bazar, dehors. Mais c'est toi qui me racontes des trucs sur eux? Tais-toi. Non, c'est très intéressant. Et elle dit quoi sur moi? Alice. Ah non, ça par contre, je répète pas. Ça veut dire quoi ça? Je répète pas. Faites la tête? Dégage. J'ai dit que t'étais moins crétin. Hein. Merci. Mais du coup, vous m'acceptez dans votre équipe? Oh, oh non! Il y en a déjà une, c'est bon. Si c'est pour vous avoir en double en plus, j'avais déjà une confiante, j'ai pas besoin d'en avoir deux. Ah non, mais moi je suis pas du tout comme ma sœur, hein. Je suis gentille. Ah. Qui a soufflé mes bougies d'anniversaire? Bah en même temps, vous êtes nés le même jour. C'est pas faux. Qui a le même t-shirt que moi? Bah, en même temps, Maxence et Mao, des fois ils ont le même t-shirt. Hein. Bon, tu t'y connais en mode féminine? Moi, je propose qu'on les vire toutes les deux. Voilà, encore une fois, à cause de toi. Non, c'est toi, à cause de toi. Il y a Anaïs qui arrive dans les bureaux. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Et ça, à tous les coups, c'est pour notre groupe. Oui, ok, j'ai compris. T'as jamais croisé Anaïs? Non. Non, tu vas pas faire ça? C'est bon, Anaïs verra pas la différence, comme ça ce serait Iroise qui se fera engueuler. Mais engueuler par qui? C'est Anaïs qui va venir crier un petit peu. Ça secoue, mais tu vas voir, ça passe très vite. Ça veut dire quoi, ça secoue? Quand elle se met à crier, ça fait trembler les murs. Ah, je crois que j'entends. Bonne chance. Mais c'est qui cette Anaïs? Le diable. Clairvy? Clairvy?